Et salut les gars, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler, on va faire un point en fait sur Pokémon Go et ses futures mises à jour et surtout un event qui risque d'arriver. C'est l'event Thanksgiving. Thanksgiving c'est une fête nationale américaine qui se passe le 24 novembre de chaque année. Donc le 24 novembre, aujourd'hui on est le 16, c'est dans 8 jours. Il y aurait un event selon un employé de Niantic qui durerait 7 jours, donc une semaine pendant Thanksgiving. Alors ça pourrait commencer le 24 ou le 25 pour cet event ou peut-être avant. Sachant que le 18 novembre, Pokémon Soleil et Lune sortent, donc le 18 novembre, deux jours, et que Nintendo aime bien faire des mises à jour symboliques le jour des sorties de ses grands jeux, on risque d'avoir une mise à jour le 18 et peut-être le 18, il y aura l'event Thanksgiving. À mon avis, c'est vraiment probable. Et en tout cas, c'est Niantic c'est une fuite de Niantic en tout cas. Où il y aurait peut-être par exemple plus de spawn de Piafabek ou Raspas de Pique, etc. Voilà, donc vu que Thanksgiving c'est quelque chose où on a en abondance là-bas, ils mangent beaucoup, etc. Ils mangent la dinde. Eh ben, on pourrait avoir plein de bonbons, je pense, quelque chose comme ça. Donc le 18 novembre, normalement, on devrait avoir une mise à jour de sûr dans moins d'une semaine. C'est sûr, ça c'est sûr et certain. Et je vous montrerai comment on va pouvoir installer la mise à jour avant tout le monde comme d'habitude. Et ça, ce sera vraiment très cool, ce sera comme Halloween. De toute façon, Niantic, ils ont décidé de faire beaucoup plus d'events pour attirer encore plus de monde parce qu'ils ont perdu beaucoup d'utilisateurs. Donc franchement, je pense qu'ils vont pas rater ça et que Thanksgiving, ils vont faire un énorme event avec beaucoup de bonus après toutes ces mises à jour pour les bonus quotidiens, etc. Donc je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Et en tout cas, c'est une fuite qui est officielle maintenant, donc un employé Niantic qui l'a dit. Et voilà, donc c'est une très bonne nouvelle en tout cas pour ceux qui vont jouer pendant cette période. En tout cas, préparez-vous à cette mise à jour. Je vous tiens au courant dès que prévu. N'hésitez pas à me suivre en live pour plus d'informations, pour participer au concours, surtout le concours des 50 euros à 7000 abonnés. Voilà, donc vous le saurez. Donc n'hésitez pas à mettre les notifications pour avoir plus d'infos, pour que je réponde à vos questions tous les soirs, à peu près tous les jours, on y a un live. Ou suivez-moi sur Twitter, la page Facebook, etc. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un bot, un hack, une mise à jour, etc. Comme vous le savez, c'était Sharp. Ciao.